L'association des Amis de Vaux-le-Vicomte, c'est une vraie famille. On a vraiment l'impression d'être accueillis ici comme chez soi. C'est vrai que sans véritablement le vouloir, il y a une atmosphère ici très familiale que tout le monde partage. En fait, les missions dont on a la charge ici à Vaux-le-Vicomte, on ne serait pas capable de les accomplir seul. Et on a absolument besoin de la générosité du public, de la générosité des amis. Pour moi, c'est une participation que chacun va donner à sa petite échelle pour pouvoir aider justement à entretenir ce patrimoine magnifique qu'est Vaux-le-Vicomte. Bah, déjà, le premier avantage pour ceux qui viennent souvent à Vaux-le-Vicomte, c'est d'avoir cet accès offert. Et puis, ça nous permet aussi, comme je disais, de pouvoir participer à des événements auxquels on ne peut pas participer si on ne fait pas partie des amis. L'ami, l'adhérent de l'association des Amis de Vaux-le-Vicomte, va également participer au rayonnement de sa propre association. Il va en parler autour de lui, c'est un amoureux de Vaux-le-Vicomte et il va être véritablement un ambassadeur de l'association. On a l'impression qu'après nous, il restera peut-être quelque chose. Moi, c'est plutôt le château lui-même qui m'impressionne parce que c'est le bâtiment qui me plaît le plus, même si je suis impressionné par l'histoire de ce qui est passé. Mais c'est vraiment le bâtiment que j'apprécie et la façon dont il a été transmis de génération en génération. À mon niveau, je suis un petit mécène en fait pour continuer à embellir et à maintenir le château en l'état actuel. En quelques mots, c'est... Un grand bonheur et un bonheur quotidien. Ce qui est sympathique, c'est que d'année en année, maintenant, les gens nous reconnaissent et ils nous intègrent complètement au château. C'est plutôt agréable. Il y a toutes ces sorties qui nous réunissent et qui permettent de mieux comprendre ce qu'est la vie d'un domaine, la conservation d'un monument. Qu'il ne faut pas hésiter et qu'il faut penser que ce patrimoine a besoin d'être conservé. À chaque fois qu'on est ici, ça nous fait une petite piqûre de rappel, ça nous relance encore. Encore et toujours. Encore.